On est de sacrés idiots. Hein. Ça marche ou quoi? Écoute, ça a l'air de marcher. Hein. Attends, on va faire un test. Ouais, c'est bien le son du petit microphone. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est en totale galère parce qu'on veut se faire un setup de malade. Voilà, donc là c'est nouveau. Alors j'essaie de perfectionner un peu le truc. Ce soir, live d'anthologie, on va parler des Messi qui va présenter ses nouveaux PC portables destinés un petit peu aux professionnels, tout ça. Enfin, ça va être un peu. Ils sont chauds, les gars. Hein. Les mecs, clairement, ils sont dans la place. Donc les modèles Summit. On va en parler dans le live. Puis, on va parler de ma fameuse carte Wi-Fi qui plante. J'ai trouvé une solution, en fait. Vous allez voir, c'est très con. On va en reparler. Et puis, bien sûr, on va jouer un petit peu à Apex Legends ce soir. Puisque, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui joue beaucoup à Apex Legends. Voilà, le live de ce soir, madame, monsieur, il n'est pas du tout 18h30, il est 18h41. En retard de 11 minutes, c'est pas grave, peu importe. C'est le spectacle au bal masqué. On est parti, madame, monsieur. Go! Mais fais la bascule enfin, mais quel idiot. Bonsoir hein. Mais je n'ai pas compris, l'intro ne s'est pas lancé. C'est bizarre ton truc. Alors il y a eu un bug sur l'intro, vous voyez, voilà, c'est voilà, ça commence. Allez dégage maintenant, c'est mon live, hein, tu te barres et tu fermes la porte aussi. Ah, voilà. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci, c'est incroyable, n'est-ce pas? Elle est nulle cette intro, hein. c'est un peu nul. Bonsoir, hein, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un truc classe et tout, puis l'intro elle était noire, enfin bref quoi, bon. Peu importe. Oui, merci, bah, bonne chance, c'est le cas de le dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveauté ce soir, puisque... Oui, ferme la porte, oui. Nouveauté ce soir, puisque comme vous le voyez, il y a deux angles de vue, il y a deux angles de caméra. Ah ouais, j'ai fait un switch en 30 secondes, vous avez vu, avec l'aide de mon frère, mon papier qui est tombé. Je suis en train de filmer là actuellement, ça faisait pas le point parfait. Oui, alors, je vais t'expliquer. En fait, là, je suis en train de filmer avec mon Panasonic Lumix FZ1000, qui est connecté à une carte d'acquisition à mon PC. Ce qui me permet donc de, voilà, de faire, d'avoir une image beaucoup plus propre, et surtout il y a le focus automatique. Donc si par exemple je te montre un bout de papier, voilà, je te montre un bout de papier vite fait, évidemment ça marche pas. Alors si je fais, voilà, il y a le focus automatique. Si je reviens, voilà, c'est pas beau ça, c'est la technologie hein. Par contre, alors j'ai peut-être changé le mode de focus, non, je sais pas. Si je me mets en MPF, on va voir un peu ce que ça donne. Si je mets ma main devant. Voilà, ça fait pas plus le focus que ça. Hein. Alors, le mec qui vante sa technologie, et en fait, ça marche pas du tout. Mais fais le point, idiot. Mais fais la mise au point, mais quel idiot. Mais quel enfer. Mais c'est quoi cet enfer? C'est quoi cet enfer? Je me mets en mise au point manuel, hein, ce sera bien. Hop. Alors normalement j'ai l'autofocus, mais évidemment ça marche pas, cadeau de Noël, super. Alors là vous voyez ma tête en gros plan, c'est n'importe quoi. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ok, bon bref, en tout cas automatique, en mode manuel, ouais, mais alors en mode manuel tu vois il y a un zoom qui se fait sur l'image. Bon peu importe, on va parler de ça plus tard. Donc le Lumix FZ1000 qui est en train de me filmer là, avec une meilleure image quand même que la petite webcam qu'on a vu tout à l'heure. Et justement, mon intro, là, je l'ai faite avec la petite webcam que j'ai fixée à une étagère, là, elle est à deux doigts de se casser la gueule, peu importe. J'ai une rallonge USB, je vais vous montrer ça. Ma chambre est devenue un sac de nœuds. Et là, tu vois, je peux bouger. Waouh, super. Je vais essayer, par contre, de ne pas débrancher le câble HDMI, parce que sinon, j'aurais l'air très con. Et là, tu vois, il y a un sac de nœuds. Là, j'ai tiré mon PC dehors. Là, tout est occupé en termes de port USB. Là, derrière, c'est pareil, c'est la fournaise. Là, il y a des câbles qui courent partout dans ma piole. La petite caméra, elle est tout là-bas en haut. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Voilà, je vais te montrer ça. La petite caméra qui est là-bas. Voilà. Ça, c'est ça qui m'a filmé, tu vois. Et donc, je l'ai accroché comme ça sur une étagère. Et je me suis mis devant, tout simplement, pour faire l'intro. Voilà. Et du coup, j'ai eu l'air d'un imbécile parce que la mise au point n'était pas totalement faite. Ça va, vous? Ouais. Et je fais une pub pour le fromage. Allez,
Super, c'est le style, je tiens la caméra à bout de bras. Vous aussi, achetez du fromage qui pue des pieds. Ok. Ah, live d'anthologie ce soir. Hein. On va se marrer. On va se marrer, voilà. Et puis, bah, y a du nouveau dans le setup. Alors là, au niveau de la lumière, je suis pas terrible. Heureusement, j'ai une fenêtre en face. Mais clairement, on s'en fout. Voilà. Alors, madame, monsieur, nous allons ensemble. J'ai mon Firefox qui plante. Où est-il? Ah, il est là. J'ai mon petit Firefox qui est là. On va aller dans le petit Google Actualité, si vous le voulez bien. Je vais vous parler un petit peu de l'actu de MSI. Merci de faire du bruit, hein. C'est cool, hein. C'est vraiment cool. Non, mais excuse-moi, je prends du matériel. Il prend du matériel, lui, c'est sérieux, hein, tout ça. Vas-y, se dégage, oui, salut. Super. T'inquiète, hein, je le fais exprès de te charrier. Bien sûr. Il s'en fout, en fait. Il s'en fout, évidemment, hein. Hop. Allez, Google Actualité, là. On est dans les starting blocks, là. Alors, hop, MSI Summit. Donc, je vais vous montrer un article du journal du Geek, puisque c'est un site que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, les nouveaux ordinateurs de chez MSI. Alors, j'ai un problème de source. Oui, super. On adore. Hop. Attendez, je suis en train de calibrer un truc là. Par là, voilà. Hop. Ouais, donc clairement, webcam, on va l'enlever ici. Hein. La webcam, on va l'enlever, voilà. Et donc, HDMI, hop, voilà. Non, vous n'avez plus de son, du coup. Comment que ça se fait, ça? Ah, vous n'avez plus de son sur cette scène. J'ai rien prévu. Et bref, alors... J'ai du talent, et ben on va le faire comme ça. Alors, j'ai du talent. MSI, donc, qui présente ses nouveaux ordinateurs portables. Ce sont les MSI Summit. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer des images. Alors, pour des passionnés de voitures, êtes-vous au courant que Pierre Gasly a gagné le Grand Prix de Formule 1 d'Italie? Alors, non, je ne suis pas quelqu'un qui suit la Formule 1 plus que ça, je vais te le dire. Donc, Formule 1, non. Je vais pas. Alors tant mieux pour lui, s'il a gagné en Italie. Mais je ne suis pas quelqu'un qui suit la Formule 1 de manière très assidue. Donc je suis un méchant. Un gros méchant. Un très gros méchant. Oh oui, on adore, très gros méchant. Ok. Alors, je vais rapatrier le son, ne vous inquiétez pas. Attention. Attention, je vais faire une transition. Oh là là, il y a du son, c'est magnifique. Alors donc, voici les nouveaux ordinateurs MSI. Donc les MSI Summit. Lancement sur le marché des ordinateurs professionnels pour MSI. Donc ils ont créé un nouveau logo avec une nouvelle gamme, etc. etc. Donc tout ça, ça va être nouveau. Il y a un design sobre et élégant. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, alors c'est pas les visuels officiels. Hein. Enfin, c'est pas définitif, je pense, ça m'étonnerait. Donc un châssis ultra fin en aluminium, signe de durabilité. D'ailleurs, MSI parle de durabilité militaire. Alors, durabilité militaire, clairement... voilà. Hein, ça vaut ce que ça vaut, d'accord. Des écrans sans bord également, ça c'est prévu. Et il y aura donc une gamme. Enfin, plusieurs gammes. Il y aura le Summit E, le Summit B, tous deux proposés en 14 et 15 pouces. Et il y aura un E13 Flip convertible de 13 pouces. Donc, en gros, vous pourrez plier l'écran et cacher le clavier, ce sera tactile. Voilà, grosso merdo. Donc, voici un article de Journal du Geek. Excusez-moi. Sur toute la gamme, il y aura des processeurs Intel de 13e génération. Qui seront proposés, donc les derniers, hein, les Tiger Lake, hein, comme ils les appellent.
Il y aura donc sur le Summit E, sur la gamme Summit E, il y aura des cartes graphiques Nvidia GTX Max Q, donc des 1050 Ti, mais pour ordinateur portable, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est prévu, de bonnes cartes graphiques. Écran IPS Ultra HD. Donc sur le Summit E, ce sera 100% de l'espace colorimétrique Adobe RGB qui sera couvert. Donc ça, c'est vachement bien pour les professionnels. Ou alors, un autre choix qui est possible, c'est un écran IPS, cette fois-ci Full HD, qui couvrira 72% de l'espace colorimétrique NTSC, cette fois-ci. Le NTSC, c'est un standard vidéo américain. Voilà. Fais gaffe avec le OK, on va prendre le journal du Geek pour le journal du X. Arrête, mais arrête, enfin, partage le live, là, tu vois, sur Facebook, tout ça. D'ailleurs, faudrait que je le fasse aussi, hein. Je ne l'ai même pas fait, oh là là, quel scandale. Je vais faire ça tout de suite. Faut que je fasse de la publicité, tout ça, c'est prévu, ne vous inquiétez pas, pour le live. Ensuite, il y aura le Summit B, la gamme Summit B. Alors, je vous laisse lire un petit peu l'article en même temps, vous voyez, il y a quelques trucs. Journal du Geek, hein, c'est pas mon article à moi, c'est Journal du Geek, voilà. Le Summit B, donc, il y aura au niveau de la puce graphique, ce sera une puce graphique Intel intégrée. Il n'y aura pas de carte graphique dédiée, de carte graphique Nvidia, comme la gamme Summit E, qui sera donc la gamme au-dessus, je pense, à mon avis. Ce sera une dalle IPS Full HD toute simple sur le Summit B. Et il y aura le Summit E14 et E15. Donc les Summit E, hein. Il y aura deux ports Thunderbolt, les derniers cris donc, un Thunderbolt 4, un lecteur micro SD, une prise casque. Pour le E15 seulement, il y aura deux ports USB A 3.2 génération 2, en gros des ports USB. Hein. Il y aura un port HDMI, et pour le E14, il y aura un seul USB A. La reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreinte digitale, ça c'est vachement bien pour sécuriser les ordinateurs parce que le faciès, moi par exemple, je peux déverrouiller l'iPhone à mon frère jumeau qui a la même tête. Donc c'est zéro en termes de sécurité, zéro. La reconnaissance de faciès, zéro. En termes de sécurité, j'y mets même pas un jeton dessus. L'empreinte digitale, faut le vouloir pour le falsifier hein, quand même. Et il y aura une puce sécurité TPM 2. Voilà, qui sera associé au lecteur d'empreintes et tout le tralalaire. Tout ça, ce sera vachement bien. Je vous laisse parcourir un peu l'article, encore une fois. Voilà. Voilà. Bref, et donc il y aura le Summit B14 et B15. Donc là, on aura un port Thunderbolt 4 au lieu de 2. On aura deux ports USB A 3.2 génération 1 et pas génération 2, comme sur le E. Ça fait beaucoup de trucs, hein, mais si vous suivez, c'est bon. Tout le monde va être perdu. Hein. Il y a 30 élèves dans la salle, Covid-19, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. On aura donc un port HDMI, un lecteur micro SD, ça c'est vachement intéressant pour les créateurs, tout ce qui est photo vidéo, un port micro SD, et une prise casque, ça change pas. Et sur les deux modèles, sur les deux gammes, il y aura une autonomie promise de plus de 10 heures. Voilà. En gros, c'est un standard hein, dans l'ultra portable aujourd'hui, plus de 10 heures d'autonomie. Donc voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? J'en pense qu'Emissi veut se relancer, je pense. Ils veulent se relancer parce qu'on n'entend plus trop parler d'Emissi depuis quelques temps. Ils sont un petit peu, je sais pas ce qui leur arrive. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui se passe avec Emissi. Mais toujours est-il que bah, on n'entend plus trop parler d'Emissi. C'est un peu... voilà, donc ils veulent se relancer avec ces ordinateurs là, donc sur le marché des pros, donc là en termes d'image c'est fort aussi. Et puis ouais, alors franchement, moi mon avis c'est que ça promet d'être des bonnes bécanes. Alors au niveau des tarifs, c'est écrit là, hein, je l'ai sous les yeux, 1549 $. Voilà, donc bah, clairement c'est des ordi pour les pros, hein, donc avec des tarifs aussi pour les pros. Hein. Donc ouais, clairement il n'y a pas à chier, c'est vraiment des ordinateurs pour les pros. Hein. Voilà. C'est clairement des ordinateurs pour les pros. Voilà. Ok, donc les nouveaux ordinateurs de chez MSI qui vont sortir donc au mois d'octobre. Je précise, ça sort au mois d'octobre. Voilà. Vous êtes contents? Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Voilà.
en ce temps-là, je vais aller voir mon Twitch pour partager le. J'espère qu'il n'y a pas une chaîne qui est en direct en même temps, sinon je suis dans la merde. Ok, ça a l'air de marcher. Moi j'en pense que c'est plutôt bien. Voilà. Si Messi veut se relancer, c'est cool quoi. C'est vachement cool. Alors, ça. Non, je peux pas le supprimer parce que l'autre fois j'avais supprimé des lives et il manquait des bouts. Voilà. Il manquait des bouts et c'était la misère, hein. Oui, je me rôde, hein, je me rôde clairement. Je me rôde VideoMic Pro. Pff, la blague! Si vous êtes geek, vous savez, hein, c'est des microphones, les Rode VideoMic Pro, c'est des microphones pour mettre sur les caméras. Voilà. Où est mon live? Où est mon stream? Votre dernier stream. Gestionnaire de stream, il est là. On va écouter voir si ça passe bien. Attention, il y a peut-être du son qui va arriver. Alors, je vais mettre un peu de son. Excusez-moi. Il y a du son. Stop, stop, c'est bon, ne charge plus. Donc ouais, donc tout passe bien. Je sais pas comment ça rend chez vous, mais tout passe bien. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'arriverai pas à le partager, peu importe. Voilà, alors on va parler un petit peu de ma carte Wi-Fi. Qui ça passe? Ouais, ça passe. Hein. C'est vrai que c'est pas terrible, mais bon. On va parler un petit peu de ma carte Wi-Fi qui a merdouillé, lamentablement. Vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Sinon, il faut me suivre sur Instagram. Vous cherchez CSEB officiel, tout collé, sans majuscule, sans rien du tout. Salut frérot, fais de l'ombre. Attention, les câbles, oh, putain, c'est casse-gueule ces trucs-là. Donc sur Instagram, je vous avais dit, hein, que j'avais des problèmes avec ma carte Wi-Fi. Il semble que c'est résolu. En fait, le problème venait des antennes. Très bizarrement, ça venait des antennes. En fait, ce qui se passe, c'est que bah, en fait, j'avais des antennes défectueuses. Ni plus ni moins. Et donc, j'ai bougé les antennes, je les ai inversées, même j'ai mis la droite sur la gauche et la gauche sur la droite. Et ça remarche. Voilà. Donc, écoutez, hein, c'est la technologie, on dira, hein. Non, alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais absolument pas. On va mettre un peu de lumière pour déboucher les ombres. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Et voilà. Je suis un peu comme vous. Je suis dubitatif de ça. Il y en a qui m'ont dit, oui, change de carte réseau. Il y en a d'autres qui... Même toi, Nick Douille, tu m'as conseillé de mettre un câble Ethernet. Je pourrais mettre un câble Ethernet. Hein. Mais ce serait un bordel sans nom. Voilà. Ce serait un bordel sans nom. Et j'ai pas envie, en fait, de me casser les pieds avec un câble Ethernet. Voilà. Donc bon, pour l'instant, on continue de faire un Wi-Fi. Alors, parfois, je galère. Oui. Bon. Mais pour l'instant, ça marche. Là, par exemple, on va jouer un petit peu Apex Legends quand même. C'est de la manipulation politique. La gauche à droite et la droite à gauche. Ouais, c'est on inverse. C'est les Le Pen se retrouvent avec Mélenchon et Mélenchon, il change de con aussi. Enfin bref. De camp, j'ai dit on change de con. Oh là là. Oh. Ça dérape en plein live. Ils viennent sonner à sa porte. Voilà. Donc là, on va jouer un petit peu, si vous le voulez bien. On a encore un petit peu de temps, oui, on a encore un peu de temps. On va pas jouer beaucoup, par contre. Je t'avais préconisé un vibro sur les antennes. Ouais, mais alors un vibro, c'est pareil, ça coûte cher. T'as vu le prix des vibros? T'as vu le prix? Merde. Oh oui. T'as vu le prix des vibros, sans déconner, c'est hyper cher. Oui, je suis allé voir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'historique, vous allez trouver des sites de vibros. Non, je déconne, c'est pas vrai, j'ai pas été voir. Non, mais c'est très lointain, j'ai des vieux souvenirs de vibros qui coûtaient cher. Voilà. Et donc, pour l'instant, bah, ça marche très bien. J'ai de la Wi-Fi 5 GHz chez moi. Ah, il y a du son. Non, ah si, non, j'ai coupé le son, d'accord, ok. J'allais dire, il y a le son du bureau qui passe. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Ouh là, j'ai un gros ping. Hein. Oh, ça augmente là. Oh le ping. Oh là là. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec le ping? Allô? C'est bon, je peux désinstaller le jeu? Pourquoi j'ai un ping d'enfoiré comme ça? Oh, on va peut-être pas pouvoir jouer les mecs. Attendez. Donc ouais, le vibro sur les antennes, je suis pas sûr que c'est très bien. Hein. Pas sûr que ce soit très cool. Voilà, donc c'est le live où on tente des trucs. Hein. Là ce soir, c'est vraiment un nouveau setup. Ça, je vais le perfectionner hein, pour la semaine prochaine. Ce sera beaucoup moins la galère. Là en plus, j'étais parti chez mes copains américains de chez McDonald's manger un bout. Et puis je suis revenu trop tard et donc j'avais seulement un quart d'heure pour me préparer. Alors que d'habitude, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure, je suis tranquille, quoi. Donc clairement, c'est de ma faute tout ça. Hein. C'est clairement, clairement de ma faute. Voilà. Ok, rest in peace PC, j'ai tout cassé ou comment ça se passe? Ah oui, ah, il y avait un message d'erreur qui était caché, bah oui évidemment. Hein. Ta commande était comme d'hab? Ta commande était quelle commande? Quelle commande? De quelle commande tu parles? De mon travail ou non? Ça va pas, il va se casser la gueule le machin. Ok. Bon, on essaye. Hein. On essaye, madame, monsieur. Je suis aussi bête que vous et on essaye. 150 millisecondes. Ben non, en fait. Chez McDo. Ah oui, d'accord. La commande chez McDo. Alors, figure-toi que je suis arrivé pile au bon moment. Parce qu'il s'avère que il manquait. Il manquait. Il y avait des cookies, ils n'en avaient plus. Ils n'avaient plus de cookies. On jouera pas ce soir, les mecs. J'ai une latence de bâtard. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on vous jouera pas ce soir. Écoutez, j'ai 150 millisecondes de ping. C'est affreux. Donc, on jouera pas ce soir. Je suis désolé. Tant pis, on va couper le live un peu plus vite, du coup. Donc, oui, alors ma commande. Du coup, en fait, ils avaient plus de cookies. Et quand je suis arrivé, ils en ont remis. Et donc, du coup, je l'ai eu quand même. Voilà. Et mon frère, il a eu un cookie gratos, du coup. Ils lui ont fait un cookie gratos pour s'excuser. Voilà. Donc cette fois-ci, ma commande impeccable. Alors j'ai attendu un petit peu. Pareil, j'ai toujours du mal avec le concept de smart food. De fast food. Fast, en anglais, c'est bien rapide, hein, on est d'accord. Hein. Bon, bah, pour faire couler un Lipton Ice Tea et donner un malheureux beignet et un cookies, il leur faut 10 minutes, quoi. Alors je veux bien que les mecs, bon ok, ils font tout ce qu'ils peuvent, machin, etc. etc. mais on a dit fast, d'accord? Donc et les cookies, tout ça, ils sont déjà tout faits, hein, tout fait, tout prêt. Donc et pour faire couler le Ice Tea, il faut appuyer sur un bouton. Donc faut pas 10 minutes pour appuyer sur un bouton. Bref, donc j'ai toujours un peu une dent contre McDonald's. Mais j'y vais toujours, donc il suffit de plus y aller, hein, si je suis pas content. Mais cette fois-ci, je dois t'avouer que la commande à McDo, pour une fois. Pour une fois, c'était pas mal. Voilà. J'ai donc répondu à ta question. Ah oui, madame, monsieur, je dois vous annoncer un truc. J'ai complètement oublié, alors que c'est le truc le plus évident de la Terre. Hein. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez. Sinon, je vais vous le dire tout de suite. Ça y est, je suis très heureux de vous annoncer que vous pouvez déboucher le champagne pour moi. Parce que, madame, mesdames et messieurs, Édouard Leclerc vient de m'embaucher en CDI, contrat à durée indéterminée. À moi, la thune. Et là, normalement, je débraye mon... Merde, c'est pas cette manette. J'ai un nouveau fauteuil. Et donc, je débraye comme ça et je peux m'incliner. Je vais tout casser. Ah, ça y est. Pour changer de sujet, Xiaomi n'est pas impacté par les menaces de Donald. Il n'y a pas l'air. Ils ont l'air d'avoir une belle forme, Xiaomi. Ils en profitent. Ils en profitent parce qu'en ce moment, en France, il y a une grosse campagne de pub Xiaomi qui est sortie. Voilà.
il y a une très grosse campagne de pub de Xiaomi qui est en train de tourner. Ils n'ont pas l'air d'être impactés. Alors en fait, si, voilà l'histoire de Donald Trump, en fait, c'est parce que l'Amérique, ils ont été soupçonnés Huawei de. Il y a 23 chefs d'accusation chez Huawei. Voilà. Donc c'est pour ça que les Américains en veulent à Huawei. Parce que Xiaomi, c'est chinois aussi. Tu vois? Et donc en fait, l'histoire, le détail de l'histoire, je vous referai une vidéo dessus. Hein. Je referai une vidéo pour résumer l'histoire. L'histoire avec Huawei et les États-Unis. Je vous referai une vidéo pour bien tout résumer du début à la fin, faire un truc bien construit qu'on comprenne bien. Félicitations pour le CDI. Merci, merci. C'est moi, on m'a dit la même chose maintes et maintes fois au travail. Je suis très, très, très heureux. Alors, je vais pas rester là toute ma vie, évidemment, mais si je peux rester quelques années là, ça m'arrange. Très clairement. Voilà, donc, ouais, merci pour le CDI. Donc, ouais, en reparlant de Xiaomi. Xiaomi ils sont pas impactés et en fait c'est parce que les États-Unis avaient porté plainte contre Huawei parce qu'ils pensaient que Huawei faisait de l'espionnage en Amérique ou je sais pas quoi, il y avait une connerie comme ça. Bah d'ailleurs on peut aller revoir, il y a un article Wikipédia qui est sorti là-dessus. Il y a un article Wikipédia, je vous jure c'est vrai, sur cette histoire. Alors, je vais vous chercher l'article. Je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo bien faite dessus. Voilà. Paf. Alors, regardez ça. Ça, c'est la page Wikipédia de Huawei. D'accord ? Voilà. Et je vais descendre directement à la guerre commerciale avec les États-Unis. Donc là, voilà, ça commence ici. La directrice financière de Huawei, qui est la fille du fondateur, elle est arrêtée au Canada en décembre 2018. Sur requête des autorités américaines, donc l'Amérique déjà à cette époque-là, qui l'accuse de fraude bancaire et de fraude électronique. Déjà, ça commence. Les emmerdes commencent. Janvier 2019, il y a le secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, le procureur général des États-Unis, le secrétaire au commerce des États-Unis, le directeur du FBI des États-Unis et les procureurs fédéraux des États-Unis d'Amérique. Eh ben, tous ces gens-là, ils annoncent 23 chefs d'accusation, dont fraude bancaire et financière, blanchiment d'argent, complot visant à escroquer les États-Unis, vol de technologies de secrets commerciaux, des primes offertes aux travailleurs qui volaient des informations confidentielles à des sociétés du monde entier, de la fraude par fil, entrave à l'exercice de la justice et violation de sanctions. Et il y en a plein d'autres. Tout ça, c'est les États-Unis, c'est les chefs d'accusation des États-Unis envers Huawei. Et donc toute l'histoire, elle démarre de là. C'est pour ça que Xiaomi n'est pas impacté, parce que Xiaomi, hein, ils ont un petit verre avec un cocktail, ils sirotent, hein, les mecs. Là, clairement, ils sirotent. Clairement, Xiaomi, je vous le dis, ils vont faire des scores. Ils vont faire des scores. Huawei va tomber, c'est sûr, parce que la France, ils ne vont pas commander des relais 5G à Huawei. Il y a plein de pays en Europe qui ne commanderont pas de relais 5G à Huawei. Et il y a les États-Unis qui ne commanderont pas de relais 5G à Huawei. Jusqu'à maintenant, c'était Huawei qui équipait les trois quarts du parc des antennes 4G, etc. Vous savez. Et bien pour la 5G, Huawei, crac. C'est leur cœur de métier. Et bien vous croyez qu'il va se passer quoi, hein? Ils vont se reconvertir dans la fabrication de godasses? Et encore. J'y crois pas. Hein? Sans déconner. Ça fera un beau clip, ça. J'ai vu un reportage sur Arte, très belle chaîne Arte. Il me semble sur l'implication de Huawei. Ouais. Arte font beaucoup de choses aussi. Ce matin encore, je regardais Arte, il y avait des documentaires. C'est Arte, c'est une chaîne, tout le monde s'en fout, mais dès que tu regardes, t'es hypnotisé. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc pour continuer à lire l'histoire, voilà, vous voyez la finale iranienne. Demande d'extradition formelle concernant Meng auprès des autorités canadiennes le même jour. Donc l'autre qui s'était fait arrêter au Canada là, au début. Hein. Et donc là, ça s'enchaîne, vous pouvez lire en même temps que moi. Les États-Unis exercent au cours de l'année 2019 des pressions contre des dizaines de pays afin de les dissuader d'acheter du matériel de Huawei, donc des antennes 5G, la fibre, voilà, du matériel pour la communication, tout ça, tu l'as bien dit. Ils fournissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est leur cœur de métier. Et sans ça, Huawei fait faillite. Parce que les smartphones, ça rapportera jamais assez d'argent. Voilà.
Clairement. Donc, ils vont faire faillite. Je pense que s'ils perdent ça, et en plus avec la guerre commerciale qu'il y a avec les smartphones, ils vont faire faillite, hein. Je pense qu'il y a pas mal de filiales de Huawei qui vont fermer. Et encore, ils vont se reconvertir dans je sais pas quoi. Peut-être la fabrication de godasses. J'ai un truc avec les godasses, hein. Et donc, bah, dépression, vous voyez, les services de renseignement américains se refusent toutefois à expliquer précisément en quoi le groupe chinois constituerait une menace pour la sécurité des réseaux de télécommunications mondiaux. Donc, en gros, ils veulent plus, mais pourquoi ils veulent pas expliquer? D'après chercheurs américains en communication, la cause de cette panique est tout autre. Alors que les États-Unis sont contraints d'abandonner leur leadership dans la mise en place des technologies de réseaux de nouvelle génération, ce sont eux qui craignent de perdre l'accès à ces systèmes. Wow. Un accès qu'il s'était assuré grâce à une coopération de longue date entre les renseignements, entre le renseignement, oh là, entre le renseignement et les industriels. Voilà. Et après, toute la suite de l'histoire. Et c'est pour ça, donc, que c'est seulement Huawei qui est impacté par les politiques, la guerre commerciale avec les États-Unis. Xiaomi, c'est chinois, mais pourtant, eux, ils fument des cigares. Là, tu mets un petit Bob Marley en fond, là, le petit cigare, et c'est terminé. Voilà. Et c'est parce qu'il y a des accusations envers Huawei de la part des États-Unis. Voilà. Je vous ferai une vidéo dessus. Ils ne veulent pas expliquer car s'ils le disent, ils avouent leur dépendance à Huawei pour tout ce qui est communication. Mais on est tous dépendants à Huawei. Hein. Tous, hein, tous les pays du monde, hein, la France aussi, hein, tout le monde. Hein. Ah, tout le monde, tout le monde. Ah. Donc ouais, il y a peut-être de ça, hein, mais la vraie raison, on ne la saura jamais. Hein. Voilà, je te garantis, on ne saura pas. On ne saura pas. Voilà donc pourquoi Huawei va couler et que Xiaomi, eux. Voilà. Je vous ferai une vidéo dessus, hein, c'est prévu. D'ailleurs, je vais le noter. Tiens, allez, hop. Regarde, tu vas voir, c'est magnifique. On va le noter quelque part. J'ai pas de papier. Je n'ai plus de papier. C'est l'économie, c'est l'environnement. Alors, attends, bouge pas 2 secondes. Je cherche un papier. Papier? Oh, papier. Ben, papier? Papier, t'es pas papier? Super. On adore la blague. Je cherche un papier. Bon, bah, j'ai plus de papier. Alors, j'ai des PC à 1000 balles, des caméras à 1000 balles, mais j'ai pas un bout de papier. Super. Mais il faut, c'est l'environnement. Monsieur, il faut faire attention à l'environnement. Alors, j'irai voir ton lien YouTube en off, si tu veux bien. J'irai le voir en off. C'était sur France 5. Ah, sur France 5 aussi, très belle chaîne. J'irai voir ton, ouais, j'irai voir ta vidéo en off. Ouais, je vais aller voir. Mais ouais, donc je vous ferai une vidéo, je vais vous faire une vidéo, justement, c'est prévu sur l'histoire, la guerre commerciale avec les États-Unis, refaire une vidéo bien en propre, avec tout, voilà, à base de l'article Wikipédia et d'autres informations. Hein, je vais croiser les sources, évidemment, je suis pas bête. Hein. Et puis, c'est tout. Ça arrivera. C'est l'émission dont je te parlais. Ah oui? Alors bon, je veux bien aller voir vite fait. Alors. Allez. Je veux bien aller voir vite fait. Est-ce que j'ai un Mozilla qui tourne? Ah, vous voyez mon bureau en plus. Alors, attendez. Je vais balancer ça sur mon. Ah non, c'est Chrome. Ah, j'aime pas Chrome. Dégage, Chrome. Dégage, vite. Ah, Berk. Afficher code source de la page. Mais non, laisse-moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut? Ok, alors attends. On va faire un truc, car c'est le futur. Hop, je vais mettre le lien dans mon Mozilla. Et voilà, c'est parti. Alors, il y a des pubs. Pour qui? Pour Huawei. Eh, on n'est pas du tout espionné. Hein. Non, bien sûr que non. Allez, je vous emmerde. Ah, et ça change, c'est Ilek maintenant. Ok, d'accord. Alors, on va regarder vite fait, mais il y a des copyrights. Donc, je vais pas. Il y a des copyrights. Alors, c'est parti. Ce nouveau coup dur à présent pour Huawei, le mastodonte chinois Alors, subit une qu'est-ce qu'il nouvelle raconte? déconvenue avec l'arrestation au Canada de sa directrice Est-ce financière. L'affaire affole les marchés Voilà, ouais, il y a des financiers trucs. Alors, et je vais mettre vient mon casque, perturber moi, j'entends la rien. récente trêve commerciale entre Pékin et Washington. Ouais. D'accord, donc là, bref, il y a un petit résumé. Alors, on va avancer un petit peu. C'est pas très intéressant. Oh, il y a peut-être des trucs là. Je vous ouvre un petit jeu par exemple. Donc demain vous jouerez sur un écran grand comme celui-ci.
Non, 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 bah non, les gens font ce qu'ils veulent. Vous jouez sur un écran non, non. grand comme celui-ci. Non, non, les gens font ce qu'ils veulent, mec. Bien connu, et là, c'est bugué. Français ou du public européen. On sait que ce genre de produit, comme ce qu'on a déjà lancé sur la partie... Copyright France 5, hein. Va permettre, oui, Twitch, encore s'il vous plaît, Copyright France 5. D'accord, c'est pas à moi, ça. Hein. Voilà. Seul ombre au tableau ce jour-là, et pas des moindres. Le président je vais arrêter les diffusions, d'ailleurs. D'accord, voilà. Parce que sinon, je vais me prendre des copyrights. Ouais, donc t'inquiète pas, j'y jetterai un œil plus en détail. Voilà, et puis je te dirai, à la limite, je te dirai ce que j'en pense. Je pense que c'est un très beau documentaire, hein, à mon avis. Ils font ça très bien. Il y a, d'ailleurs, il y a autre chose aussi, c'est sur France 2, c'est Cache Investigation. Oh la vache, alors eux, oh. Ils se sont fait accuser de tous les noms d'oiseaux à une époque. Hein. Ils étaient dans la merde. Hein. Fallait les voir. Voilà, 19h16, madame, monsieur, je ne parle plus, je vous laisse, je m'en vais, parce qu'il faut que je raccourcisse, hein, je parle beaucoup trop. Merci d'être passé encore ce soir, c'était un live d'anthologie, je testais du nouveau matos, je testais un nouveau setup, la semaine prochaine, ce sera mieux, comme toutes les semaines, on va s'améliorer. 1h15 maintenant que t'es en CDI, tu pourras regarder pendant le taf. Bah oui, bien sûr. Donc merci à tous d'être passés ce soir. Merci à tous ceux qui verront ce live et eh bien de me suivre sur Twitch. C'est prévu, je vais faire de la publicité sur YouTube, je vais faire des clips, je vais poster ça sur YouTube, je vais mettre le lien. C'est pas encore fait ça d'ailleurs. J'avais dit que j'allais le faire et je l'ai pas encore fait. Je vais le faire. Voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon je dois le faire, donc je vais le faire, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous ferai ça, je ferai la publicité de la chaîne Twitch sur YouTube, voilà, donc ça c'est prévu. 19h17, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde, et bah, mon setup a plutôt bien marché, hein. Sauf au début c'était un peu calamité, mais pour la vidéo des smartphones et bon boulot pour le live. Ouais, merci, ouais. Merci pour la vidéo des smartphones. Je te jure, c'est vrai, je vais t'avouer un truc. Hein. Il y a un secret qui, normalement, je ne dirai jamais, mais là, je vais le dire. Je trinque à ton CDI. Ouais, merci, vieux. Pas trop non plus, hein, si c'est de l'alcool, mais parce que ça fait tourner la tête, ce chiant. Mais ouais, bien sûr, merci. Merci, merci. Moi, j'ai prévu de trinquer, mais on va attendre d'abord. J'ai pas encore signé le contrat. C'est en fait, là, je finis mon contrat de professionnalisation le 22 septembre. Et de là, ils vont basculer en CDI. Voilà. Donc, je vais avoir un solde tout compte. Je vais avoir de l'argent, en fait. Tout simplement. On s'est arrangé comme ça. Mais le patron est d'accord. Le patron, il a dit, lui, il fera son CDI. Voilà. C'est prévu. On est en manque d'effectifs. Il manque 5 personnes, là où on travaille. Donc, il cherche 5 CDI. C'est même pas des CDD, c'est des CDI. Donc merci beaucoup, merci à ta santé du coup. Hein. Oh, ça coupe, non? Ah, juste une poil pour la fin. Ah, c'était bien parti. Donc attends pour regarder la vidéo si tu n'as pas signé. Ouais, j'ai pas encore signé. Normalement, je signe fin septembre. Voilà, et donc on fera un truc à la maison. Pareil, on buvra, on va manger un peu de gâteau, on va boire un peu de champagne. Je vais inviter des amis peut-être. Enfin, inviter des amis, c'est pas sûr parce que j'en ai parlé, il n'y a personne qui veut venir. Donc... non, c'est pas une histoire de Covid-19 machin, c'est une histoire qu'ils ont juste pas envie. Écoutez, c'est pas grave. Bref, excellente soirée, merci d'être passé. Et puis on se revoit la semaine prochaine à 18h30 sur Twitch. Et puis à 18h sur YouTube, hein, vous savez comment ça marche. Peut-être que je referai quelques lives sur YouTube quand même. C'est pas exclu. Je vous préviendrai, je vous tiens au courant, il faut me suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je dis beaucoup de trucs. Comme dans mes lives d'ailleurs. Là, j'arrive pas à finir. Ça fait 5 minutes que je dois finir et j'ai pas fini. Voilà. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Des bisous.